qui augmente votre rythme cardiaque. Les risques que vous avez pris dans le trading et qui vous ont apporté du succès, des sauts d'un avion ou une main gagnante qui vous aide dans le poker. Je t'en dis un coup d'œil avec les stars de la communauté. Bonjour chers traders, nous commençons notre épisode des stars de la communauté qui est rempli d'adrénaline. Donc, qu'est-ce qui augmente votre rythme cardiaque plus que le jeu de poker lors duquel vous essayez de garder votre visage impassible? Nous avons un invité très spécial qui nous rejoint par téléphone aujourd'hui. Harry Kirix de République Tchèque est le membre de la communauté qui a récemment atteint le sommet du classement. Ce trader a reçu le titre du gagnant du concours Le Grand Prix de Poker du mois de mars 2017. Ce membre a rejoint la communauté en 2013 et a enregistré un grand nombre, même un trop grand nombre de victoires dans le poker. Donc, Harakirix, félicitations pour votre succès. Et parlons de vos projets dans le poker et de ce qui est important pour vous dans ce jeu. Bonjour à tous. Mes projets dans le poker sont très simples. Le jeu me donne du plaisir. Je joue pour me détendre. Je pense que les choses les plus importantes dans le poker sont la patience et la discipline. Il faut également savoir analyser les approches des autres joueurs. Vous devez être patient et attendre le bon moment pour attaquer vos adversaires. Parfois cela marche et parfois cela ne marche pas du tout. Mais c'est un jeu. Merci beaucoup. Bonne chance dans tous les concours de Yukascopie et dans le trading. Donc soyez prudents. Au revoir. Votre approche vous apporte évidemment du succès. Donc nos félicitations. Merci d'avoir souhaité bonne chance à tous les participants des concours. Nous serons ravis de voir vos nouvelles réussites dans nos concours. De ceux qui participent au concours du Yukascopie 911, attention, il y a de bonnes nouvelles. Les règles pour obtenir le prix de 5000 ducat dans notre concours du Yukascopie 911 ont été changées. Au lieu de 50 questions, vous n'avez qu'à poser 20 questions. Il est plus facile de gagner. Les résultats de mars de nos participants seront révisés conformément aux nouvelles règles. Cela signifie que 20 participants vont recevoir au moins 5000 ducats pour 20 questions enregistrées en mars. Donc, bonne chance. N'hésitez pas à poser et répondre aux questions. Le gagnant du concours J'aime l'extrême a été annoncé. Lanka Svetlana de Moldavie a présenté un mélange parfait de sensations extrêmes et d'amour. Et tout cela a été filmé. Nous avons regardé la vidéo, c'était vraiment incroyable. Tout d'abord, cela nous a rendu un peu nerveux. Mais puis, à la fin, nous avons eu une véritable surprise. Svetlana a sauté d'un rocher de 180 mètres sur la plus belle plage pour être accueillie par son petit ami qui lui a posé la question la plus magique. « Veux-tu m'épouser ?» Voici la vidéo. Svetlana, nos félicitations, vous avez ajouté une note romantique à notre compétition. Svetlana a reçu le soutien de la communauté car beaucoup de membres de la communauté ont aimé sa vidéo. Et puis, ils l'ont félicité pour sa victoire. Et la meilleure façon de conclure cet épisode des stars de la communauté, c'est de jeter un coup d'œil à notre concours Miss Yukascopie. Je pense que la gagnante du concours J'aime l'extrême a beaucoup inspiré la communauté. Elle a également influencé notre tâche hebdomadaire qui a pour titre la montée d'adrénaline. Donc, qu'est-ce qui augmente votre rythme cardiaque? Nous voudrions découvrir votre expérience à risque. Donc, chères participantes, ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas seulement des sauts en parachute. Vous pouvez parler de la montée d'adrénaline reçue lors de votre blind date ou de la montée d'adrénaline quand vous avez fait votre premier tatouage. Quoi que ce soit, vous allez recevoir 50 points pour cette tâche. Donc, bonne chance. Cela conclut cet épisode des stars de la communauté. Bon week-end. Au revoir.